挽回。Salut les amis, c'est Max Blade et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Un jour un jeu de la semaine, l'épisode 75 aujourd'hui. Et oui, je cherchais un jeu sur l'univers Demon Slayer sur mobile, il n'y en a pas des masses. J'en ai trouvé un petit qui utilise le même univers, mais vous allez voir, c'est plutôt un jeu mignonnet a priori de ce que j'ai vu dans les commentaires. On va découvrir ça ensemble. Avant d'aller plus loin comme d'habitude, je vous invite à bombarder les petits pouces bleus qui aident au référencement, qui aide la chaîne à grandir. N'hésitez pas à vous abonner hein, si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche de notif qui vous met au courant dès que je pars en live, dès que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description. Et du coup, on est parti pour la découverte. Donc on a un mode arcade, un mode classique. On va d'abord aller dans arcade et on va aller voir un petit peu comment se passe ce jeu et quel genre de jeu c'est aussi également. Je rappelle que je le découvre en même temps hein. Donc on va bien voir ensemble. Ok. Donc le mode arcade, on a une vie. On commence directement. Level 1. Et c'est un jeu d'association. Donc là, tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est par exemple regrouper les personnages identiques. Hop. Alors désolé pour la petite sonnerie. Voilà, on va maintenant eh bien, passer à la suite. Hop, on peut faire ici, on peut faire également ici. Voilà, c'est un petit jeu tranquillou hein, de puzzle. Je vais plutôt viser là. Ensuite, on va bien sûr viser ici. On va viser là. Le but, ça va être de faire le plus gros score possible. Alors, hop, là, effectivement. Tac, tac, tac. On a ici. Donc, ça nous guide en plus au bout d'un moment. Donc, ça, c'est plutôt cool si on ne trouve pas de solution. Alors là, je vois pas ce qu'il veut. Bah si, effectivement, voilà. Très bon move à ce moment-là. Hop. Ici, ici. Bon, si on cherche ailleurs, bien sûr, on va en trouver d'autres. Hop. Ici. Hop, hop. Alors le fait que ça nous indique très très vite mine de rien à quel moment changer, c'est dommage je trouve, parce que ça perd un peu d'intérêt de recherche. Hop. Après le jeu est pas fait pour être hyper compliqué hein. On est plutôt sur un jeu assez sympathique. Hop. On a là aussi, on voit qu'on a la barre de temps de toute façon. On va aller chercher un autre ici. Ici, on peut baisser là. On peut remonter ici. Là, on a fait un bon mouvement. Ensuite, on va voir ici, bien sûr. On va voir ici. On va voir là aussi. Et au fur et à mesure, bah, les choses se mettent en place si on se débrouille bien. Et ça fait par moments des sacrés gros scores. Comme là, je viens de le faire. Donc ça, c'est plutôt bien. Hop. Ici, on peut regrouper aussi. Là, on peut rien.
Ok, donc là ça nous bloque, on peut le faire comme ça. Voilà, c'est plus un jeu qui va vous détendre, vous permettre aussi de vous prendre un petit peu la tête dessus si vous ne trouvez pas les solutions. Mais il n'y a rien de d'hyper compliqué, c'est un jeu assez classique avec voilà les personnages de Kimetsu no Yaiba. Bon, il y a pire, il y a mieux, hein. C'est pas la trouvaille du siècle. Malheureusement, il n'y a pas énormément de jeux mobiles sur Kimetsu. J'ai cherché, c'est vrai que j'aurais bien aimé trouver quelques jeux un petit peu à l'instar des autres qu'on a l'habitude de trouver. Là, ça n'a pas été le cas, ça a été assez vide d'ailleurs en termes de recherche. Tac. On va faire ça là. Ici, on va faire ça. Là, on peut faire un gros passage. Et clairement, ici, on avance là. Là, on peut faire ça. Oh, on a une étoile. Je sais pas ce que c'est, l'étoile. Non, on peut pas y toucher. Donc là, voilà, des fois, il s'illumine, je sais pas trop pourquoi, hein, je découvre en même temps, comme à chaque fois. Ok, on a fait 24 000 points, on peut recommencer ou revenir en arrière. Ça, c'était un petit peu le niveau 1, et on voit que, bah, en fait, on n'a pas fait grand chose hein, sur le niveau 1. On va tester le mode classique rapidement. Donc, c'est le même mode, le même jeu. On voit qu'on a d'autres persos. Ça s'envoie du lourd. Et là, on passe au level 2. Ok. On va se prendre la tête. On va aller assez vite. Quand même. Ok. Même en mode normal, on a les petites astuces si on va pas assez vite. Hop. Non. Non plus ici. Tac. Là, on peut faire ça. Ici, on peut faire ça. Donc là, voilà. Là, on fait pas énormément de scores. Le but, c'est vraiment aussi d'enchaîner des gros scores, des gros enchaînements d'un coup, justement, pour pouvoir très vite, voilà, comme là, hop. Ici, on peut faire un gros truc aussi, ici aussi. Ici, on peut faire ça. Là, on a fait pareil, un bon niveau. Bien sûr, on peut faire ça ici. Je l'avais même pas vu. Hop. C'est plutôt ça que je voulais faire. Ici, on redescend ici. Là. On se décale là. On va se décaler ici aussi. Ah, ça commence à se compliquer un petit peu quand on essaye d'aller vite. Ça, c'était plutôt un bel enchaînement. Tac, ici on fait ça. Ok. Je vois pas pourquoi. Ah si, je vois, ça y est. Hop. Voilà, on passe au level 3 et ainsi de suite. On va pas les enchaîner trop non plus. Le but, c'est pas de faire une vidéo trop longue, mais c'est un jeu qui peut être plutôt sympathique. Là, on a lâché une grosse bombe d'un coup.
Je vais essayer tout petit peu plus. C'est prenant en fait, mine de rien, c'est hyper prenant. À un moment où on se dit oh, allez, on arrête, c'est plutôt cool, mais sans plus. Bah, on a envie d'aller un petit peu plus loin dans le jeu. On a envie de gagner quelques points. Hop. Hop. Ok, ça c'était plutôt bien. Ici on peut faire là, là on peut faire ça. Là on peut faire ça. Ici ça redescend. Là on a pas mal ici aussi. Tac, tac. Là. Ah, c'est mine de rien, c'est quand même assez prenant. C'est quand même assez prenant parce que on a envie du coup de faire un meilleur score, de continuer à grimper un petit peu. Là, comme là, tac. Avec le moins de mouvement possible, c'est ce qui fait aussi qu'on gagne des points et on continue, voilà, level 4, level 5, level 6, etc., etc. En tout cas, c'est un jeu plutôt sympathique, c'est pas le jeu de l'année, mais c'est plutôt sympathique. C'est le genre de jeu que j'appelle les jeux toilettes, hein. Comme tout le monde, quand on a envie de se poser tranquillement et qu'on est aux toilettes, c'est le genre de jeu qui s'y prête plutôt bien. Sur ce, les amis, je vous laisse là pour ce Un jour un jeu 75. J'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé ce jeu ou si vous appréciez ce genre de jeu. Allez, sur ce, bon dimanche à vous. Ciao, ciao tout le monde. Bankai.